Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles. Pareil l'habitude, nous commençons avec le point principal, sa bulletin pour commencer. Président Rom Calawan, il rencontre président Kibé Miguel Diaz Canel Bermudez et président l'Assemblée nationale sa pays pendant son visite officielle Cuba. À l'occasion la journée mondiale nettoyage les mondes demain, il y a plusieurs messages qui, si tout, mettent l'emphase qui dit qu'on y prend une autre responsabilité pour garder ses selles propres. Ministère de l'Agriculture, Changement climatique, l'Environnement, nous organisons l'exhibition pour sensibiliser le public sur l'importance de la protection de l'ozone. Ministre responsable pour le transport, Anthony Dejac, il visite certains projets semaines et communautaires dans la région Lessé-Sidmaé. Ministre pour l'Environnement, Flavien Joubert, accompagne lui au premier étape sa visite capitaine. Division pour gestion risque et désastre, DRMD. Ensemble avec le ministère de l'Éducation, il organise l'atelier pour les enseignants qui en savent de l'école pour faire si qu'ils enfants et plus bien gagnés protégés contre aucun désastre. Nous voyons un détail sa bulletin en présent. Président Wevel Rom Calawan, qui a une visite officielle Cuba, il fait causerie bilatérale avec le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Les deux pays ont signé trois agréments bilatérales pour renforcer la collaboration dans le domaine de la justice criminelle, protection de l'environnement et formation diplomatique académique. Pendant sa rencontre, le président Rom Calawan s'y félicite sa lien diplomatique fort entre les deux pays qui ont couvert 40 ans. Le président Díaz-Canel, de son côté, il remercie ses élèves pour son support consistant pour Cuba, particulièrement concernant la résolution cubain contre le blocage américain et pour la participation du président Rom Calawan dans le sommet G77 pays et la Chine dans la capitale Cuba l'année passée. Les deux dirigeants tombent d'accord dans une région clé pour renforcer la coopération, principalement dans le domaine de la santé, pharmaceutique, l'éducation, les sciences culturelles, aussi bien qu'ils explorent nouveaux domaines de coopération. Président Rom Calawan, qui est aussi jeune avec le président de l'Assemblée nationale cubain Esteban Lasso Hernandez, sa des dirigeants, une cause au partenariat et l'amitié entre les deux pays et la possibilité agrandie et renforcer sa bonne amitié. Pendant son visite d'État à Cuba, président Wevel Rom Calawan et son délégation, ils sont avec le président de l'Assemblée nationale cubain, Esteban Lasso Hernandez. Un communiqué statut dit que la délégation présidentielle a une chance de visite site historique, bâtiment El Capitolio National dans la capitale Havane, ancien bâtiment officiel Congrès cubain. Ensuite, délégation CCL, il en a causé avec délégation Cuba en bas direction président de l'Assemblée nationale cubain Hernandez. Bonne causerie, il centré dans sa grande relation qui les deux pays en ont et pour renforcer encore plus. Président Rom Calawan a noté que sa visite, il y a une opportunité en or pour les deux îles, réaffirme l'engagement pour élever notre partenariat au plus haut niveau. Président Rom Calawan dit que comme un petit États-Unis qui partage beaucoup de similarités et l'intérêt, c'est celui qui va être capable de renforcer la collaboration au niveau international pour promouvoir la démocratie, le droit humain, suivre bien la loi et adresser les bonnes concernes environnementales et en même temps adresser les défis qui un petit États-Unis fait face avec. De son côté, le président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lasso Hernandez, exprime grande appréciation envers le président Rom Calawan et Pep Cécélois pour accepter l'invitation Pep Kibé pour visiter d'autres et pour aussi pour continuer le spécial pour Cuba, même si sa pays y continue à faire face avec blocage de commerce international. Il souhaitait que l'amitié et la coopération des deux pays continuent à fleurir, particulièrement dans le domaine de la santé, l'artisanat, le sport, l'éducation et les défis mondiaux tels que le changement climat, le droit humain et la soutenabilité économique. Lors sa visite, la première dame Linda Rom Calawan, ministre des Affaires étrangères et du tourisme Sylvestre Radegon, ambassadeur CCL des Nations Unies et pour Cuba aussi, Ian Madeleine, qui accompagne le président Rom Calawan. À l'occasion de la journée mondiale nettoyage les mondes demain, président Rom Calawan demande du monde pour prendre notre responsabilité pour garder ses selles propres. Il dit que nous devrions faire la propreté, vin nous deuxième nature.
Cécile, comment un petit l'état d'asile en voie de développement? Il y en a beaucoup de défis. Et gestion saleté, il y a un ben plus grand défi qui nous en a. Nous faisons 4 efforts pour nous encourager, membres publics et aussi ben business, pour être responsables de la façon qu'ils gardent nous l'environnement propre. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour nous arrêter un petit coup et réfléchir beaucoup plus sérieusement à nos bonnes actions. La propreté a besoin de nous deuxième nature. On n'a pas besoin d'espérer une campagne pareille, ça en la Clean Up the World, organisée par LWMA, pour nous prendre action. Au contraire, on nous fait vivre l'habitude tous les jours pour nous maintenir la propreté de la loi publique et pour nous, de l'autre côté, débout fort contre les gens qui peuvent être saletés d'une façon illégale de la loi publique, ben qui peut mal servir ben bin ou bien ben qui est dans un pit drive je dis zet ça qui sorti dans un loto lo la route publique. Nous tous nous besoin prendre ça comme une responsabilité pour nous prendre soin avec nous l'environnement fragile. Après tout, pas besoin oublier qui pour dire nous la propreté, il y en a aussi pour faire directement avec l'industrie touriste. Il passe de vous être un devoir, mais une nécessité économique pour nous garder prospérité pour nos nations. Sa bonne vieille habitude, il besoin arrêter, mon bon frère Xer. Nous besoin présenter nous comme une bonne vraie cesse-loi patriotique et ça y devrait gagner réfléchir de nos façons vives, côté nous honore nos constitutions, qui fait un appel direct pour nous protège et préserve l'environnement Cécile. Alors aujourd'hui, moi vite tout, pour joindre ensemble avec tout le monde, pour réaliser l'article 38 de nos constitutions. Nos gouvernements ont besoin d'autres support. Et bien sûr, à nos mazinés, qui nous tous nous pérodent, un Cécile prospérer. Quand nous tous nous capables vraiment vivre dans un environnement propre, en bonne santé et un qui bien balancé. Alors, faites nos responsabilités aujourd'hui pour nous garder ces cellules propres et pour chacun d'entre nous prend nos responsabilités. De son côté, ministre qui responsable l'environnement, Flavien Joubert, indique que le gouvernement est resté engagé pour supporter vision pour un CCL qui est toujours propre. Il fait remarquer que la loi et la politique ont été révisées pour faire ci, qu'ils ont en lien avec un défi l'environnement en actuel. Ça fait 26 ans déjà, depuis qu'il nous fait un programme Clean Up the World dans CCL. Et au cours de l'année, nous voyons que ce programme est aidé pour amener une communauté, un groupe ensemble pour faire un nettoyage de la communauté, mais aussi aider pour nous éduquer nos populations, leurs responsabilités envers nos pays et envers la propreté de nos communautés. Et je crois qu'il est important que nous continuions à répéter ce message que la propreté de nos pays, c'est nos responsabilités. Nous, comme bon citoyens, nous devons faire un engagement actif pour nous continuer à garder ça. La propreté et sa condition qui est bonne pour nous-mêmes et pour les gens qui visitent nos pays. Nous avons besoin de continuer à réduire la saleté, nous avons besoin de faire si nous aider nos saletés bien, et nous avons besoin de faire si nous aussi engager des bonnes activités qui pourraient aider nous à recycler les différentes qualités de saleté qui nous produisent, que nous sommes capables. Par exemple, les gens qui sont capables de la cour, sont capables de faire de bonne façon pour dire avec bonne branche et les autres parties de végétation qui sont produites, pour qu'ils ne pas arriver au bord de ses mains et créer une nuisance. Et un embarrassement pour nous tous dans nos communautés. Nos ministères, nous pouvons continuer à travailler avec tous nos partenaires pour nous assurer que les services en masse saleté dans le pays soient améliorés, pour que l'endroit devienne plus propre, pour que nous bonnes insights soient améliorés ensemble avec le ministère du développement communautaire et qu'il y ait différents programmes pour accommoder les besoins de recyclage dans le pays. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons des masses pour nous set up un centre régional pour compostage. Pour que les gens qui en ont
bonne partie végétation, bonne pied d'ibois, branches, etc. Nous capable mener et déposer ça dans l'endroit côté gain servi pour faire compost avec. Pareillement, il y en a ban les autres programmes qui nous peut faire pour dire monde capable déposer ban différentes grosses saletés et ban qui capable recycler dans ban l'endroit qui pas l'infil qui après ça nous capable venir avec ban effort, bonne mesure pour nous faire ce qui est bonne saleté gain recycler bien et pas cause pollution dans nos pays. Alors, mon point courage tout du monde pour prendre ça l'occasion aujourd'hui pour nous vraiment réfléchir et engager nous dans ce travail que nous pouvons faire pour faire ce qui est dans un pays qui est plus propre. Chef exécutif LWMA, l'agence qui est saleté, Shane Emily, indique qu'il nettoyage les mondes, il passe 5 questions ramasse saleté, il dit qu'il y a aussi un pour faire avec les autres secteurs tels que l'industrie tourisme. Plusieurs années, l'accent qui est mis là, que le tourisme est un bon pilier de l'économie, c'est celle-là. Et là, nous peut aider pour nous faire ce qui nous peut garder à la propreté, nous peut mettre la main ensemble pour nous assurer une plus bonne image localement et aussi globalement, nous peut aider pour faire ce qui nous l'économie reste une, qui reste solide pour plusieurs années. Et le sanote, moi, je vais faire ressortir que tous ces lois ont une responsabilité pour les contribuer et faire ce qui nous accomplit ça pour ces îles. Comme un petit État-Zil, pareil les autres îles, pareil nous-mêmes, nous connaissons qu'il y a différents défis qui nous peut faire face avec. Quand nous pouvons vivre, il y a un endroit qui nous besoin de faire ce qui nous peut montrer, qui nous apprécie. Tout ce qu'il a à notre disposition. Il est vilain pour voir qu'il y a une bonne pratique qui continuellement peut affecter nous la beauté. Aujourd'hui, je m'appelle tout le monde. Il est pour nous réfléchir et voir danser nos bonnes actions qui peuvent persister l'année après l'année. En nous, faire ce qui nous cesse, et rester propre. Continuellement pendant l'année. Ministère de l'Agriculture, Changement climat et l'environnement organise l'exhibition pour montrer le travail qui dans différentes sections sa ministère puis fait pour prothèses et aussi s'y veille course ozone. Ça l'exhibition qui s'y fait côté centre conférence internationale à ICCS. Il forme partie activité qui sa ministère organisé à l'occasion la journée mondiale pour ozone qui t'y le 16 septembre sati lundi. Kousozone, il y a plusieurs importances. Un, c'est qui hypothèse la Terre contre un rayon ultraviolet qui dans ce ça qui en anglais appelle UV rays, sorti contre soleil. Et deuxième, c'est qui aide pour que la température la Terre soit un niveau acceptable. Ces instruments pour sensibiliser le public sur l'importance Kousozone, qui ministère l'agriculture, changement climat et l'environnement, organise l'exhibition. De sa l'exhibition, ban différents sections sa ministère et son bon partenaire qui inclut ban business qui importe fridge, qui montre qu'ils ont pu faire pour prothèse ou soit CV ou sous zone. Nous pouvons montrer un peu le travail qui nous peut faire, like sort of public awareness. So, ban di moun ki pou vin visit nou petit bout store là, nous pouvons informer qui kalite gaz sont capables de porter, qui l'équipement qui doit pas se poser en main, ban qui sont comme ça. Et qui ban penalty fi y en a qui si ou amène ban qui ne fait gars ban montrer un petit peu ça évolution aussi dans ban différents équipements qui nous servi sorti le ban manuel par un petit peu le ban digital il montre nous l'avancement qu'on a en masse là en masse l'information en masse l'information le temps hein, la pluie soleil et en même temps mon pays nous peut montrer qui moyen nous gagne l'information dans l'atmosphère. Et nous connaissons l'ozone, on est l'atmosphère, ça va une information qui nous amasse. Il y a aussi une façon pour nous étudier un peu qui moyen l'ozone peut faire, qui quantité de masse qu'on a avec nous l'ozone et si l'ozone peut refaire. Avec n'importe la bande d'état qui nous peut amasser là, il y a des scientifiques aussi pour qu'on ait cette information. Sa l'exhibition se déroule en baptême Montreal Protocol Advancing Climate Change. Pour montrer contribution que c'est Céline fait pour protéger cousse ozone et combattre changement climat depuis qu'il a ratifié le protocole Montréal 31 ans passé. Là où ratifié le protocole Montréal, vous besoin d'un licensing system in place.
et CCL, nous licensing system qui vient en place en 2021. Quand nous avons la loi qui contrôle, qui calte l'équipement, qui calte le gaz qui peut entrer dans l'équipement. À cause nous connaissons le gaz CF6, HCF6, qui gagne le CCL. Donc, avec partnership avec custom, nous faisons ce qui est le gaz qui gagne et aussi le gaz internationalement pour entrer dans CCL. C'est secrétaire principal pour le changement climat et l'énergie, Tony Imadoua, qui est ouvert à l'exhibition. L'État est un bon invité et participant, et il met l'emphase sur le rôle du business qui importe fridge de protection pour ces zones. Your role is pivotal in ensuring that the transition to more sustainable refrigerant is smooth and efficient. By adhering to the regulations set forth under the Montreal Protocol and its amendment, you are not only ensuring compliance, but also driving the market towards more environmentally friendly options. Your decision and practices influence the availability and affordability of alternative refrigerants, which are crucial for a successful transition. Toujours dans la cérémonie d'ouverture, un groupe étudiant primaire Plaisance qui montre l'importance pour protéger la terre à travers un ladder et que son son. À l'exhibition, tu aussi en direct, le radio Cécile. Ministre responsable pour transport, Anthony Desjac, et ministre responsable l'environnement, changement climat, Flavien Joubert, ensemble avec les autres officiers, autres ministères et administrateurs district Poglo, bon matin, à la visite, c'est un projet qui peut faire l'OCM capteiné dans Wasmaï. Ça y inclut un mirail qui est construit dans un endroit qui peut gagner affecté par l'érosion, surtout par gros la roule, et qu'un autre endroit, d'autres peut construire certaines facilités qui pour bénéficier surtout bonne visiteur qui a dans cet endroit avec transport. Tous les deux projets ont commencé plus bonnet salonné et sont expectés compléter plus tard salonné. C'est mes capitaines qui ont un morceau mirail construit au Bolance pour combattre l'érosion de la côte. Il premier le droit pour les deux ministres, Anthony Desjac et Flavien Joubert, ensemble avec toute délégation, qui tient que le secrétaire principal pour transport de la terre, c'est Patrick André, chef exécutif de l'agence transport de la terre, Parinda Herat, et bons officiers posés SLTA, et aussi administrateur district Poglo, Clarence Confiance, qui visitait. Et plus bas, dans la tour de l'Osnamous, dès le commencement capitaine, la zone peut construire les bails et capac pour des gens qui fréquentent ça l'endroit. Nous pouvons continuer avec nos bains, plan de développement. Nous pouvons avancer 20 semaines. Souvent, ça, ici, côté capitaine, au bord de l'Osnamous, spécifiquement, il y a cause de semaines qui ont dégradé à cause de climate change, qui ben là où il arrive jusqu'en côte semaine, et côte semaine qui ont dommagé. Nous constatons qu'il y a plus d'intérêt pour développer côte capitaine à cause du gouvernement de un plan rendre la terre qui tient gagné à quoi qui pas gagné développer et dans un aussi qui gagne rendre la terre et alors il y a plus d'intérêt il y en a à peu près 4 la case dans bout et ça semaine investage côté pas gagné arrangé pour un peu de temps alors nous prend des spots côté il y en a dommage assez sérieux. Et nous pouvons renforcer, nous pouvons enlaser, nous pouvons mettre une structure qui est nécessaire. Et après, la faire à l'année, au soir, bonnet l'année prochaine, on va faire un resurfacing. Ça veut dire, dans nos plans, il y a une continuation. Pareil, là, on peut drive, on peut venir ici, on voit qu'il y a une resurface côté polonais en entier. Et côté montagne posée aussi, nous pouvons faire un grand travail, pareil, en Slamouche. Et moi, vraiment happy qu'un coach de bon travail et que le ministre de l'Environnement est là aussi, à cause de tout ce bon travail qu'il fait en partenaire avec les autres. Nous connaissons ces mêmes capitaines, bon, il y a un problème étroit, il y a une difficulté pour servir. Quand nous expectons, ouais, ces mêmes plus las, plus convenables pour capitaine. Pourquoi le ministre de l'Environnement est d'accord avec moi et qu'il faut aussi, on va demander lui.
Mon philosophie, c'est disturb la nature moins qu'il est capable. Faire qu'il en a accès, faire ben les bases quand il est nécessaire, seulement pas déguiser elle en doit totalement pour les vignes parer la ville. Alors pour moi, oui, nous resurface, nous mettons ben les bases, nous faisons un peu road widening. La côte en ce moment, ouais, nous faisons un peu parking à cause d'un joli lance et elle en doit côte sur get maille. Partout, il y en a ben lance qui en a tant beaucoup de développement en bord. Nous besoin d'un accès avec nos populations ben l'endroit qui est un peu isolé, côté aussi autres camps, dans autres loisirs, dans autres leisure, loin d'immense. Et zen qui peut venir en ce d'amour, qui part seul autour d'un même. Souvent, pas trop beaucoup parqué. Nous pas vous faire la vigne par les beaux valons. Souvent, 4-5 clôtures qui ont vigne par. Ça veut dire pas faire l'Asie, mais l'Asie c'est parking, hein? Il y en a en Asie, c'est mais là. 7,5 mètres avec un peu parking. Ça m'a posé une commencée vers mars salonnais et les autres peuvent répondre par des différents contracteurs. Nous, ministères, nous travaillons avec le ministère des Transports, loin base collaboratif pour nous programme bon travail sur la côte, surtout dans l'endroit qui est affecté par l'érosion. Nous pouvons aussi travailler sur l'aspect financement pour nous capables d'amener plus de ressources pour faire ce qui est posé, démarrer et faire. Et aussi, il y en a beaucoup de précautions qui nous peut travailler avec autres. Pour nous faire ici, qui paraît le ministre pour le transport, nous ne pouvons pas défigurer l'endroit. Et nous pouvons aussi nous donner facilité à nos populations, mais nous pouvons aussi maintenir l'intégrité de l'endroit. L'exemple, ici, en Slamour, que nous pouvons causer, il y en a une provision pour faire une protection de l'obolance. Mais nous voudrions que, par exemple, il y en a un petit bois préservé et qui nous crée un buffer devant qui reste comme un espace vert. Avant sa lance pour qu'il nous pas peut défigurer ça l'endroit et nous pas peut actuellement détruire ça qui nous en a. Mais le côté travail lui-même nous assez satisfait et que ça qui SLT est arrivé faire et son bon contracteur mon quoi il aider pour assister sécurité le bout de ses mains envie qu'il y en ait que l'intérêt de ça l'endroit et qui manière quelque chose qui peut aller il peut venir un danger pour bon du monde qui service à ses mains. Alors nous voir qu'il y a un bon travail qui assez raisonnable dans la quantité et l'espace qui peut couvrir, mais il ne peut pas totalement détruire ça l'endroit. Nous connaissons, il y a un bon endroit un peu isolé, un peu encore sauvage, qui beaucoup de gens qui ont envie de visiter parfois. Son rôle, ça, Mirai. Oui, ça, il faut protéger ça, l'infrastructure, c'est même. Mais il y a aussi pour stabiliser sa bout de la côte à cause de l'endroit, quand tout a l'érosion peut arriver, il faut continuer. Et on prend plus de dégradation, puis il dit, bah, il est tombé, aussi roulé, etc. Et il est important que nous aussi mettons une structure qui empêche l'érosion continue, accélérer et détruire l'infrastructure et propriété. Le ministre de Jacques dit que sa miraille qui nous peut se compléter et nous coûte environ 3,6 millions de roupies et qui s'est imposé en ce d'amour, il est aussi expecté coûter une bonne somme. L'Association pour droit à l'information et la démocratie, ARID, indique catégoriquement contre ça la loi qu'il a semblé une fait qu'approuver le hate speech, ou bien en d'autres mots, un discours ou bien déclaration qui provoque la haine. Ça, l'association il dit qu'il doit l'expression y est nécessité pour la liberté qui constitution y garantit. Et selon ARID, l'amendement d'un code pénal qui n'approuve approuvé cette semaine, il soulève question le motif gouvernement. En même temps, ARID dit qu'il totalement oppose toute la forme déclaration qui provoque la haine et qui attaque personnalité et individu directement. Division pour gestion risque que désastre d'IADM ensemble d'IRMD, pardon, ensemble avec le ministère de l'Éducation organise un atelier avec bon enseignant qui est responsable dans autre l'école. Ça y bon différents écoles primaires, secondaires et post-secondaires. Bis à l'atelier pour donner autres plus connaissances sur bon différentes méthodes effectives qui capable réduire risque les y en a quelques désastres côté l'école. Ça l'atelier t'y fait bon matin côté l'institut formation enseignant site. Face avec et aussi affecter les enfants à l'école. Existemment, division pour gestion risque et désastre,
DRMD, ensemble avec le ministère de l'Éducation, il organise un atelier pour les enseignants qui enseignent dans l'école respective pour faire si les enfants aient plus bien protégé contre sa bonne désastre. Qui en a présentation par officier DRMD aux bonnes différentes méthodes effectives qui capable aider en empêcher aucun désastre arriver ou soit dans l'instance côté en a bon désastre réduire l'impact négatif. On a une plus sensibilisation aussi là qui c'est ça disaster risk reduction ni même et la même la bouse on a une plus pour comment ça cesse d'autres ben envisager l'environnement aussi pour qu'on a fait notre propre risk assessment dans l'école et développer notre propre mitigation. Quand même, les teachers by profession, c'est moi qui même suis capable de faire un risk assessment, essayer de regarder l'autour vis-à-vis l'école. Là, je suis capable de voir quoi qu'ils ont trouvé, ben hasard, qu'ils ont mis comme hasard à cause différents écoles, différents hasards, ils ont différents surroundings aussi, quoi qui affecte, quoi qui capable d'un désastre tard. Nous commençons avec différentes agences pour faire un bon bout d'arrangement plan. Et même rejoindre pour regarder le plan, le côté district, il y a l'école entre là-dedans. Et nous aussi pouvons continuer avec Red Cross. Et il y en a différentes applications. Bout First Aid, mais Shelter, parce que l'école est Shelter lui-même. Et nous pouvons continuer, qui nous finissons avec Fire Brigade et la santé aussi, tout, pour voir qui ont différentes contributions qu'ils ont fait pour train bon staff. Et moi, il y a staff aussi, ils comprennent l'autorité, la façon de travailler. Et la communication est clé là-dedans. Bon participant, il exprime qu'il s'est à l'atelier, il n'a pas juste créé une occasion pour bon participant mettre devant d'autres consignes, mais aussi dans d'autres bagages nécessaires. Avant ça, moi, tu crois un risque, un hasard, même quelque chose. Mais en vérité, le temps, mon gagne sa définition et la monde capable de comprendre. Et il est bon pour nous capable de mettre en pratique. À cause, par exemple, pour l'école, comme moi, il y en a beaucoup de hasard, beaucoup de risques. Pour l'école pour la secondaire, il y en a beaucoup d'inondations. Et le temps, nous regarder, il y en a un mal juste à côté. Et après, nous avons la plaine qui flood, nous avons ces mains qui bordent avec le runway. So, at times, peut-être, nous sommes un petit peu ignorants. Nous croyons qu'il n'y a pas un risque pour nous et même pour les enfants. Mais seulement, nous sommes pour les enfants, pas besoin de l'eau, les enfants, pas besoin de là-bas, mais seulement, il y a un risque. Les officiers seniors, position risque, Jade Landry, il dit pour amener plus de sensibilisation à la réduction du risque et des désastres de pays, pour donner support aux enseignants pour transférer leurs connaissances avec les enfants à l'école. Vu qu'ils ont mandat et pour éduquer les mamans aussi, qui nous commencent avec eux, après, ils ont gagné empowerment, ils ont gagné knowledge, ils ont gagné support. Présent, ils sont capables de transférer sa l'éducation qu'ils ont pour gagner aujourd'hui avec les mamans. So, nous, comme division risque des as, nous envisageons plus le bon mesure mitigation. Qui est présent là, ben maman aussi, je suis capable de venir advocating for disaster risk reduction, ni même que je suis capable de causer avec les bonnes pays et aussi les bonnes mamans familles aussi qui la présent la société, la communauté, et avec plus involve le comment pour réduire la pauvre vulnérabilité et aussi en cas de l'école, ben activité qui pour réduire risque de désastre de pays. DRMD NG, c'est pour continuer à donner l'aide aux enseignants pour commencer à développer ce plan d'usance dans l'école dans une façon qui l'est un désastre y arriver aux enseignants pour connaître qui pour faire. Bientôt, pour une facilité pour ramasser de l'eau en Slamouche, la Kisechers Brewers Limited, ensemble avec l'association producteur locale, ainsi et l'agrément. C'est l'agrément Yanapoubi finance un nouveau projet pour ramasser de l'eau en Slamouche et provision raccord pour distribuer de l'eau avec 10 la ferme, aussi bien que l'Institut l'agriculture et que horticulture SIA. Sa projet peut coûter 223 000 roupies. Pour ce basically, pour nous faire un water catchment. Un water catchment un peu plus haut de la rivière, au bord de la rivière, qui peut amasser de l'eau, qui peut venir remplir un plus gros water catchment. Nous disons un water catchment dans Slamouche, 25 000 litres. Là, nous pouvons gagner des finances pour s'apposer. Quand l'acteur va commencer, elle va monter un water catchment qui peut remplir et puis remplir sa gros bassin. Et ça, c'est pour capable de feed pour donner des autres familles.
équipes de la région. Avec sa collaboration qui nous a avec le ministère, il est nous aussi pour identifier les contacts des affaires dans notre catchment dans les autres régions. C'est facile pour nous aussi. Gagner ben même contact qui peut faire des assalouvages. Vu qu'il nous connaît qui des loyers éléments importants pour la culture, nous avons envie ou de dire qu'il y a financement pour apposer. C'est bon, de temps en temps, mettre bonne call for proposal de nation. Nous appelons, nous gagnons. De ça, nous posons, il vient avec une des complications là où on peut mettre ça poser. Ou bien calculer la quantité de l'eau qui pour de sa basse, quand c'était pour sortir, quand c'était pas fermé pour servir. So, il vient avec un peu de calculation et puis, il y a un mot de s'apposer. Il prend le temps, il prend l'énergie. Et c'est là aussi que ça, bulletin est terminé. Merci pour suivre bulletin et bonsoir.